fuck. Bon, j'espère que tout le monde va bien du coup. On fait la deuxième partie. Je vais essayer de faire des chat-chats parce que j'ai vu qu'il y avait Ayla aussi qui a fait son live. Je sais pas si ça continue, mais il y a Terrestrine déjà. Et Joline. Donc on verra. On va faire ça. Je sais pas si y a le stream de Ayla qui a commencé, donc je vois pas. Donc je sais pas si c'était un misclick. Mais en tout cas, Joline est en live. Et Terrestrine est en live. Et on a fait un shoutout aussi tout à l'heure à le Docast du coup. Et Anartube était tout à l'heure avec nous. Ainsi que Big Flame Girls. Qui m'ont bien trollé, bien joué, good game. Allez, on continue. Donc on était au moment de la du début de l'école pour Sam et du coup là je me retrouve solo en tant que Jon. Tu es tombé au fond du trou, ça presse ici. Oh lâche-moi, j'étais là en premier. Ok. Fais attention à toi, Jon. Il y a des paupières qui tremblent, ça veut dire quelque chose? Tu peux aller là? Non, toujours pas. Il n'y a plus personne. Bon. On doit aller à la mine, là, j'imagine. On va aller voir Miyazaki. Bonjour, Miyazaki. Ah, je vois qu'on a appris à se prendre de... Ah oui, donc du coup, on va à l'école aussi. Tu ne penses pas que c'est un peu tard, John? Ok, on va à l'école. Eh bien, allons à l'école. C'est ça, c'est faut aller à l'école. Oui, ça a l'air d'être ça. J'écoute un peu vite. Le son a l'air bien. Et bah du coup on est reparti. Hein. D'ailleurs, en passant, bonjour, Delotix, je pense qu'on va te jeter. J'avais oublié cette histoire. Au revoir. Purge, ban, salut. Comme ça, au moins, c'est fait. Allons à l'école. Bonjour, mère de binocle. Qu'est-ce qui a bien pu se passer par la tête de la directrice autorisée ce genre de... Ah. Bon, j'ai enlevé l'avertissement, mais peut-être qu'on va tomber sur autre chose. Monsieur Favre, tiens donc, le père de la petite Sam y va aussi à l'école. Quel sérieux. Oui, 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 quel jeune homme studieux. Merci. Je crève de faim. Je me demande ce que ce bon vieux Kim a dans son déjeuner. Ah. Bah, vous avez l'air très gentil, dis donc. Que vous voulez... Ah, vous avez une quête, madame. Madame, pour de vrai. On va bientôt rentrer en classe. Tu es prêt? Alors, pas tout de suite. Je vais faire un petit tour. J'arrive. Mais ouais, pas trop, non. Mais bien sûr. Je vais dans la salle d'à côté, juste. Il n'y a rien. Les toilettes. Ah, c'est les autres toilettes. Parce que c'est condamné de l'autre côté. On peut utiliser les toilettes? Non. Ce n'est pas un jeu à toilettes. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait descendre. Ah, mais c'est la cour. Tu es sûr que tu as bien entendu? Oui, archi sûr. Tête de chiffon a dit qu'elle connaissait la surface. Ah, c'est tête de chiffon maintenant. Ok, tête de chiffon. Aucune chance que j'ai mal entendu. Bon, bah, on continue un peu sur le harcèlement scolaire. Donc, ne faites pas ça chez vous. Ni à l'extérieur, ni dans l'école, ni n'importe où, en fait. C'est pas bien. Ça heurte les gens. C'est le père de tête de chiffon. C'est l'heure de l'école, venez. Donc, c'était juste pour regarder ça. Il n'y a pas un trésor caché quelque part? On peut faire du... Non, on peut pas faire. On peut faire des tractions? Non, toujours pas. On peut sonner la cloche? Non plus. On peut jouer au ballon.
peut jouer au ballon? Ballon. Ouais, le ballon. Quel contrôle! Bon, voilà, c'est fait. On a fait le travail. Ah, c'est l'heure. Ah mince, on est en retard du coup. Attendez, il y a quelque chose ici. Il y a une porte, on dirait. Non, c'est pas une porte. Là, on peut ouvrir. Souviens-toi, je ne t'ai pas, tu ne dois pas parler de ce que je t'ai dit à l'école, hein, mon piquet. Tu veux parler de l'oncle Muller? Ne prononce pas le nom de cet ingrat devant moi. Ah. Je parle à mon fils, ça ne se voit pas? Du vent. Ah, bah merci, au revoir. Ok. Il y a un non-dit là sur Muller. Bonjour. Kim, je n'ai pas vu Feng sur le chemin de l'école. J'ai un mauvais pressentiment. Ah ouais, non mais. T'apprêtes sûrement à me jouer un mauvais tour, mais faut cassez-vous. Qu'avez-vous ce qui. Pars! Pars! On peut rien faire. Purée. Quel enfer. Nous nous cachons sous terre. Au-dessus de nous ne règne que la mort. Ah, c'est sympa ça. Qui pénétrera dans les terres interdites, ouvrira une voie vers le monde extérieur et scellera le destin funeste de l'île Cocotte. Madame pour de vrai, madame pour de vrai. Que quoi donc, Gladys? Si ça fait si peur là-haut, pourquoi est-ce que les gens continuent de vouloir y aller? C'est... Parce que là-haut, le ciel est bleu. C'est la plus belle chose du monde. Sam ne... Menteuse! Tu as une preuve? Je l'ai vu de mes yeux. Mais oui, bien sûr, tu es une affabulatrice, toi aussi. Ah 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 ah. Non, c'est pas vrai. C'est la vérité, je l'ai vraiment vu. C'est bien ce que je disais, encore un mensonge. C'était très sympa, Gladys, hein, franchement. Je ne suis pas une fabulatrice. Ah, c'est la directrice. Ah, carrément sur la table. Madame Bras de Fer. Ah, elle s'appelle Madame. Waouh. Dehors. Sors de cette classe tout de suite. Je ne suis pas une fabulatrice, c'est pas vrai. En effet, tu ne mentais pas. Mais je. Montre-leur, prouve-leur que tu ne mens pas. Mais comment? Les terres interdites. Bon, bah, salut, hein. Je joue Jon. Non, ça va barder pour tête de chiffon. Bien fait pour elle, faut pas me chercher. Journal mis à jour. Ok. Où est Sam? Where is Sam? Sam is in the kitchen? Non. Bonjour. Tout ça c'est la faute de Feng, il m'a volé mon déjeuner pendant le cours. Ma mère va être super triste si elle apprend que j'ai des ennuis. T'aurais dû me le donner sans râler, c'est tout. C'est sympa. Ça m'a filé le grand-père. Vous n'allez pas partir à sa recherche. Bah si. Allons chercher Sam. Tu rentres toi aussi? Ne t'en fais pas, je ne dirai rien à la directrice. Vous êtes gentil, monsieur. Vite, Sam est parti pour les terres interdites. Il faut que vous alliez à la mine. Moi, je n'ai aucune chance d'arriver à temps. Ok. Pourquoi tu n'as aucune chance? Peut-être qu'on va voir la lumière du jour. Allez! C'est pas où la mine déjà, c'est en bas, à gauche. Vite! Sam, attends-nous! Il y a des trucs rigolos. Sam! Bonjour! Vous me donnez votre masque? Les piliers. Oui, aujourd'hui, fais attention aux piliers. Ah, ça va s'écrouler, c'est ça que tu veux dire? Bonjour, j'aimerais acheter quelque chose avant de partir, s'il vous plaît. Bah voilà, un sac à dos. Et voilà, on a une place en plus. Toujours partir avec un bon sac à dos. Du café, c'est pas mal. Ça fait quoi? L'odeur est alléchante, mais tout le monde ne supporte pas son amertume. Donc ça rajoute deux de cœur. Jaune. Un magazine qui donne chaud. Bon, je crois qu'on va acheter Amour Sauvage. Hein. Bon à en pleurer. Œuf, lait, ok. Épice, une épice sous la forme de grain. On a acheté. Alors,
Petit clin d'œil pour du coup l'anti-stream, on achète des épices et on va acheter petit clin d'œil pour moi, amour sauvage. On achète tout. Voilà, on a plus de thunes. Allez, salut! On a plus de thunes, on est parti pauvre. Ouais. Alors. Oui, amour sauvage. On peut faire un plat de fruits, oui, bien sûr. À quoi sert amour sauvage exactement? Parce que je ne comprends pas. On a acheté pas mal de trucs en vrai. Un magazine qui donne chaud. Bon, on a acheté amour sauvage. Je sais pas à quoi ça nous sert, mais peut-être que ça peut servir. Bon, on a bien fait des courses. Les courses sont nécessaires avant de partir. Les courses qui ne servent à rien, mais elles sont faites. On a acheté de la bouffe hein, quand même, hein. Faut se le dire, là, sur le coup, là. On est prêt. Elle vient de filer dans les terres interdites. Il faut qu'on le dise à Jon. Pourquoi faire? On la reverra jamais, cette gamine. Tant qu'on la boucle, personne n'en saura rien. Mais lui, il est insupportable, lui. Pars! Tiens, salut, Jon. Jon! Mon pote. Ouais, mais toi, t'es pas mon pote, en fait. Sam est parti dans les terres interdites. C'est pas une blague. Elle va se faire trucider, là-bas. J'étais justement en train d'essayer de me rameuter les troupes pour aller la sauver. Mais bien sûr, mytho. Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait les dans les terres interdites? Bon, salut, je vais sauvegarder. Attends, le maire est déjà au courant, quoi? Hein? Non. Si je trouve l'intrus, ma vengeance sera terrible. Bon. Tu ferais mieux d'aller à sa poursuite, Jon. T'en fais pas, je dirai rien au maire. Attendez, je sauvegarde d'abord, parce qu'on a fait des emplettes. Alors oui, je serai quelqu'un de différent, parce que j'ai acheté... sauvage, je sais pas quoi, là. D'ailleurs, ça s'appelle comment, le truc? Il a un titre bizarre, non? Amour sauvage, oui, c'est très bizarre. Hop, c'est pas où qu'on doit aller. Ah oui, c'est en haut. Laissez-moi passer! Je dois aller aider Sam! D'ailleurs, on n'est pas allé de l'autre côté, je crois. Si? Si. Laissez-moi passer! Donnez-moi du sel pour que j'achète d'autres magazines de cul! Pardon. Mais elle est pas là. Ah, je peux monter. Ok. On est parti, hein. Ça se trouve, elle est jamais montée, mais on est monté. Allez, Stonks. Ça vibre. Hein. Yata! Bim, 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 bim! Non, mais... Je peux pas lancer une bombe là-bas, je crois. Ah, si! Voilà. C'est là où je fais preuve d'intelligence, des fois. Bon, alors, de l'autre côté, y'a quoi? On peut monter? Non. Il n'y a pas de saut dans ce jeu. Bim, bim. Bim, bim. Bim. Bim, bim. Bim, bim. Ha ha! Je suis allé plus vite que la lumière. Pas vraiment, mais bon. C'était réfléchi. Mais qu'est-ce que c'est que cette fourmi? On voit le soleil? Pour la première fois, je bronzerai. Bon, on fait exploser ça. Hein. Ah oui, donc ça, c'est les piliers. Faut les casser, j'imagine. Allez, on casse. Voilà. Parce qu'on fait tellement tout péter qu'on va péter les clés. Il y a des vélos. Je veux faire un vélo. Moi, je veux faire du vélo et du skate, s'il vous plaît, à l'extérieur, si c'est possible. Si y a un vélo, c'est trop bien. Allez, on connecte. On est rapide à la détente. Là, le bouton, on allume. Ah oui, non, mais faut éteindre. Attendez. Hop. Merci des 12 bis. Hein. Merci. Merci d'être là.
Je connecte. Bim. Bim, bim. Bim, bim. On connecte. Allez, hop. On appuie. Super. Bim, bim. Tout cassé. Tout cassé. Ah, attends. Tiens, c'est pour vous. Voilà. J'aime bien les plantes carnivores, mais faut pas déconner. C'est quoi ces plantes carnivores qui poussent dans les toilettes? Non, ça, ça c'est possible, j'imagine. Enfin, quoique. Les plantes carnivores, c'est quand même fragile, en vrai. Ah, attendez, il y avait... Attends, attends, reviens en arrière. Il y avait une porte en bas. Je voulais voir ce qu'il y avait en bas. Attends. J'ai bien fait descendre. Du sel de mascu. Bon, en haut d'abord... C'est ouvert? Attends. En haut ou en bas? En fait, vu que le but c'est d'aller en haut, on va aller en bas. On va voir ce qu'on... Ah. Ah, je peux balancer des canettes. Oh, ça c'est bien ça aussi. Donc là on est dans un ancien centre commercial, j'ai l'impression. Ok. Bon, on va faire étage par étage, hein. Mais non! Tiens, prenez ça. Donne-moi de la vie! Oh là là. Bon. Hey, ciao! Je vais sans doute mourir à un moment. Hein. On ne trouve rien dans ces bocals. On peut utiliser l'eau? Non. De la vie! Trop bien. Alors attendez. Parce que là on a fait le tour. Ah, il y avait une porte en bas. Mince. Attends. On descend. On a trouvé des fruits. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un journal. La vraie vie. Le manga Earthbound, mais trop bien. On aura de la lecture sur le chemin, c'est bien. Et du coup, là, on a fait le premier étage. Ouais, c'est ça, en fait, on revient ici. On est toujours à cet étage-là. On pourrait redescendre encore. Mais du coup, je veux peut-être qu'il faudrait remonter. Ah. On va monter. On va monter, on va voir ce qu'il y a en haut dans la salle. J'ai l'impression que c'est le premier monde, hein. Ah bah il y avait rien. À part de la du sel. J'ai bien fait descendre. Mais c'est quoi ces larves? Pour un oignon. Wouah, ça coupe deux fois, ça donne des coups. Ah. Ah. Il y a l'air d'avoir un truc derrière. Ah, ça doit être cache trésor. On va le trouver. Du sel de mascu. Trouvé dans les vestiaires de sport. Oh là là. On dirait moi qui fais le balai. Bim bim bim. On a pas fait tout le haut, hein, c'est vrai. On va descendre d'abord. Passe par là. Ok. Ah, j'ai pas la clé du coup. Ouais.
Je n'ai point la clé. Et on peut pas descendre, il y a de l'eau. On nage pas, j'imagine, dans le jeu. Fessé de poils. Ah bah c'est la caisse. Ah c'est intéressant. Il y a un truc ici, derrière, j'ai l'impression. Bah. Ah je peux pas plus. Bon. Des champis. Ok. On va utiliser la... Voilà. On va essayer de faire un ricochet. Patate. C'est marrant parce que dans ce genre de jeu-là, il y a les deux, trois premiers monstres, il y en a un au moins qui lance des trucs de loin. Là, ça est un peu trop simple. Je dois bouger les aquariums? Non. Je dois passer de l'autre côté. Je continue, du coup. It seems so. J'ai toujours pas trouvé la clé. Hein. Ah, la clé. La clé du boss. Du-du-du-du-du. Attends. Oui, il dit qu'il y a bien un truc là. Il capte quelque chose. Ici, là, de ce côté-là. Il n'y a pas de réseau, il dit. Là, là. On capte un truc ici, de ce côté-là. Ah bah. Une salle secrète. On a trouvé des jetons, c'est magnifique. C'est pas vraiment secret si on regardait la lumière. Ok. Bon bah on redescend. Hein. Là il y avait un truc aussi, il disait qu'on pouvait passer en haut et en bas. Ah oui d'accord, il y a un truc qu'on peut faire là, au-dessus. Ah oui d'accord. Ah, d'accord. Comment je pourrais passer, là? Il y a un trou et il y a moyen de descendre. Ah oui, il faudrait que je descende d'abord, d'en haut. Ok, il faudrait que je monte d'abord. Alors. Donc, pour monter, il faudrait que je passe par là. Et là, apparemment, il y a moyen de descendre là. C'est fermé. Ah oui, c'est vrai que c'est fermé. Ah, bah d'accord, bah tout de suite. Hein. J'avais déjà oublié la porte. Il nous faut des bombes. Hein. On est un peu à court de bombes. Là. Et là, c'est pas par ici qu'il faut que je passe. Là, il y a des poubelles. Pique, pique, pique. Pique, 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 pique. Ah, touché. Cœur. Bon, non. Oh là là. Mais comme ta joie, le plan de carnivore. Hein. Bonjour. Je suis le cuisinier. Oh de la vie. Ok. Donc là, si on passe ici. De la vie. J'ai un cœur en plus quoi. Non. Non. Et on descend. Mais ça va être de l'eau d'en bas, normalement ils disent. Ah, des bombes, enfin. Alors, est-ce qu'on est dans un compartiment où il y a
Oui, il y a de l'eau, mais pas de trop d'eau. Alors là, c'est l'endroit où je risque de mourir. Comment qu'on arrête ça? Comment je fais? Je tape. Ah non, c'est... Il pousse? Ah oui, d'accord. Et là, il avale, c'est ça? Ah... On va essayer. Oui, c'est ça. Oh! Il a avalé. Ah bah, il a cassé. Bah ben, voilà. Il a cassé. Oh, le gros sel. Ah non, c'est le gros sac. Le fruit des sables. Iche. Bon, on est passé à un autre interagir. Là, j'avale, c'est ça? Ah oui, du coup. Ah oui, je peux pas faire ça. Là, je me fais pousser, c'est ça? Et après, je pourrais pas revenir, du coup. Ah! Dommage. C'est fermé. Allez, salle fermée de Zelda. Ich, ich, ich. Oh, le ralenti. Oh, on applaudit le ralenti. Ah non, c'est pas onk, c'est onk. Attendez. Je voulais juste faire onk de victoire. On peut faire aussi un combo breaker. Ah. Hop. Piche. Piche, piche. Ok. Bon. On est bien avancé, on continue. Ah, mais ça, c'est un pilier, ça. Vas-y, de faire attention au pilier, mais là, ça va m'aider. J'imagine qu'il faut traverser vite. Allez, Donc là, ça me pousse et vers quelqu'un qui va me taper. Gâché. Bon. Après, c'est des ventilateurs, ça? Ah, mince. Ok, allez. Hop, tiens, prends. On peut grimper. Donc là, ça veut dire qu'en grimpant... Oui, c'est là où on arrive, ok. Ah, donc du coup, c'était une descente, mais que de ce côté-là, ok. Donc là, je pourrais passer par là, récupérer d'autres trucs, mais... En fait, nous, on passe par là, ok. Ah! Un bouton. Un bouton machinique. Ok. Là, ça connecte pour pouvoir connecter, mais d'accord. Faut que je connecte d'autres trucs, du coup. Donc, faut que je connecte en haut, en bas. Bah, on va faire en bas, d'abord. Hop. Et on va voir ce qui se passe, là. Ah, mais ça... Ah, mais ça passe à travers. Ah, d'accord. Ok, et si j'ouvre? Ah oui, d'accord, ok.
Mais là, ça permet de quoi, en fait? Oui, ça allume le truc à l'intérieur, mais comment je fais les deux? Et là, ça ouvre en bas. Ok. Ok, d'accord. C'est un peu complexe, hein. Là, je vois pas du tout comment on pourrait... Alors, là, ça passe par ici... Pour passer par ici, il faudrait que ça soit connecté là. Non. Oui. Je peux pas connecter en bas, j'imagine. Ah si. Non. Ça sert à rien en fait. Hop, ici. Là. Ah bah c'est... Qu'est-ce qui s'est basé? Ah. C'est un boss. Ça pue le boss. Ça pue le boss. Bon bah... Bonjour. Ah, c'était une bombe. Ah. Et là, on est quelque part dehors. Mais du coup, elle est passée par là, Sam? Parce que j'ai pas l'impression qu'elle a fait le chemin. Hein. En même temps, elle est aidée. Ah mais on est vraiment dehors, on a vraiment vu le jour. Bon, tenez. Mais je crois qu'on est dehors. Hein. Attendez, on va faire un petit... Presque. Ok, et par là il y a quoi? Ah oui, donc on va passer par là d'abord. Petit pas, petit pas. Les bruits des petits pas. Pipipi. Ah, ça s'est cassé sur lui. Donc là, à gauche ou à droite? À gauche d'abord. Youhou! Défendrai ce trésor jusqu'à la fin. Oh, c'est que des pièces détachées. Bon bah salut hein, petite plante carnivore. Bon là on commence à se retrouver avec des rochers quand même carrés. Hein. Alors je sais pas où est l'entrée du métro mais elle est bizarre. Parce que, là on était quand même dans un métro tout à l'heure. Ouh là là, ça devient complexe. Alors... On va d'abord exploser pour voir ce qu'il y a. Ok, on va faire porte par porte. La première. Elle doit être connectée ici. Le fil, il passe là. Il est connecté là. Et là, ici. Et on appuie. C'était principalement des bombes. Ok. On déconnecte. Parce qu'il faut pas toucher l'électricité quand c'est connecté. La deuxième. Ça descend et ça descend là. Et ça revient ici. Donc normalement c'est juste là du coup. Là. Ça devrait être ça. Oui, c'est bien ça. Et c'était que du verre. Bon, ça me... Ah, il y en a là. Non. 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 Fais attention à l'électricité. Et du coup la troisième. Tu, ça descend. Et là, ça tourne. Et là, on touche ici. Ah, attends.
Non, là. Oui, là. Ça descend là. On connecte ici. Ça descend en bas. Et on connecte là. Voilà. Et là, c'est bon. Ah, il y avait des trucs à casser. Bon, on ouvre ça. On a du fruit à sable. Cool, cool, cool. On remonte. On va essayer de casser les trucs en haut. On fait le loot express. Hein. Donc là, ça souffle en bas. Ah, donc lui il aspire et après il va pousser. Ok, on va voir ce que ça donne. Pili pili pi, pili pi, pi. Ok. Mais là, si je... Ça va être compliqué quand même, non? Comment je monte là? Je suis à contre-courant. Ah, ça passe. Ok. Ok. Bon, bah tant mieux. Hein. Je continue à monter. Et je suis descendu. Ça, c'est quoi ça? On peut acheter des trucs. Boisson énergisante, ça donne de la vie. Lot de munitions, ça de... Ah, on peut acheter de la munition. Le plein de munitions, on n'a pas de munitions de toute façon. Hop, on achète de la vie. Hein. 5 coeurs, c'est bien de toute façon. C'est toujours bien. Allez hop. On sauvegarde. Est-ce qu'on serait pas face à un boss s'il y a des vies? C'est une bonne question. Allez. Heureusement qu'il y a des frigos hein, dans ce monde. Jon! Jon! Vert en bas et bleu en haut! On est arrivé à la fin. À la fin du début du jeu. Ah! Bonjour, monsieur le boss, le maire, j'imagine. Ah, ça bug. Non, c'était normal. Pokémon, attrapez-les tous. Ensemble pour la victoire, Pokémon. Ah! Oh, j'ai bien fait de la poser. Coup de pelle dans ta tête. Ah, il fait des trous. Là, il va souffrir. Il a bon. Ah oui, donc on peut rien faire. Ok. Allez, on mâche. Waouh. Bon, ça a pas l'air de marcher. Ouh là là. On mâche, on mâche, on mâche. Aïe. J'ai pas assez de bon. Mince. Attends. J'ai pas assez de bombes. J'ai dit que j'avais pas assez de bombes. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe.
Aïe. Voilà, la fin. Ça vibre. Jon. Jon, où t'es passé? Ah mais je suis décédé? Jon! Jon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es blessé? En même temps, si tu lui tires les cheveux, il va pas réagir. Jon! Jon! Y'a quelqu'un! Allez! Qui tais-toi? Je suis toi, Sam. Je t'en supplie, fais quelque chose pour Jon. Désolé, mais tu es la seule à pouvoir l'aider. La seule façon de voir la lumière, c'est de percer les ténèbres. Ok. Merci. Ah, attends. Percer les ténèbres. Elle a été équipée, là? J'ai entendu une sorte de... Ah ouais. On a un pouvoir. Génial, vous avez pris bulle d'énergie. Du coup, je vais mettre une bulle d'énergie autour de lui, ça. Oh, c'est trop mignon. Ah, j'ai plus d'énergie. Oh. La lumière me donne de l'énergie. Ça me rappelle Sky, ça. On va patienter un peu parce que la prochaine salle, ça va être la guerre. Ah, la carte est indisponible. Ah oui, d'accord. Du coup, en fait, il y a quand même une limitation. Là, je vais vite. Allez, 75% moins. Ok, en fait, sans la lumière, ça marche aussi. Ok. Ah, ça va être un puzzle dans ce genre-là, ok. Donc là, il y a du vide. Alors, on va vérifier si on peut attaquer avec. Ah, ça les emprisonne. Ah, c'est pas mal. D'accord. Faudrait que j'aille au-dessus. J'ai pas la carte. Bon. On va essayer de monter. Passons par là, peut-être. Ah, mais je peux pas taper avec. Merci, Wisebot. Non. On a fait le tour. Ok.
comprends mieux maintenant pourquoi c'était pas si dur, parce qu'en fait, avec Sam, c'est plus compliqué. Les carnivores, en tout cas. Pili. Donc du coup, on les gâche quand on les bloque, et on les gagne quand quand on déclenche. Voilà. Donc hop. Ah, en fait, faut faire une perte-gain, quoi. Ok. Là, il y a du people de l'autre côté. Hein. Donc là, on va en gagner, là. Voilà. Et là, gain. Complexe. Mais qui est ce jeune homme? Ou cette jeune dame? Encore une impasse. Ça va encore être à moi de faire le boulot, on dirait. Tu vas encore tout faire sauter, pas vrai? Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de faire ça ici? T'inquiète, je vais utiliser juste ce qu'il faut de poudre. Va t'abriter quelque part. Bon, d'accord, tu as droit à une deuxième chance, j'imagine. Cinq, quatre, trois, deux, un. Nichem! On dirait que je me suis légèrement mêlé les pinceaux avec la minuterie. Comme à chaque fois, en fait. Ouhou, Isa! C'est incroyable, c'est la découverte du siècle. On est où? Dans une ville? Faut se trouver Jon. Ah mais ah on revient dans la ville. Aïe. Garde-moi une bouteille, d'accord? Petite Samy. D'où que tu sors, dis? Ça me dit rien de bon. C'est Jon, il est toujours là-dessous. Juste quelques égratignures. C'est ce qui est plus embêtant, par contre, c'est qu'ils sont allés dans les terres interdites. Si le maire la prend. Jon. Qu'est-ce que je peux faire? Voyons, un peu de gel devrait faire l'affaire. Du gel, je vais en chercher. Il y a juste un petit problème. Le seul qui puisse avoir ce genre de choses, c'est cette espèce de docteur Maboule au bar. Tu veux dire Bogota? Pas de problème, je vais lui demander. Sauvegardons. Alors, quelles sont les discussions que Jon... Qu'est-ce qu'il va bien? Je me suis fait un sang d'encre. Parce qu'en fait, on n'a pas discuté avec Sam. Je le savais depuis le début. Tu n'apportes à Jon que des ennuis. Ah, bah, merci. Allons bon, Jon a trouvé le moyen de se blesser, hein. Il a sûrement bien cherché. Vous êtes madame, vous êtes méchante. Bonjour. Si ce n'est que pas la petite Sam, quelque chose te chagrine, tu n'as pas mis Jon en colère quand même. Écoute-moi bien, si les enfants ne faisaient pas d'erreur, ce ne serait pas des enfants. Va donc demander pardon à Jeanne, si tu t'excuses sincèrement, tu seras pardonné.
On va jouer ailleurs, petit. Tu risquerais de te crever un œil ici. Ah. Merci. Alors, on va à la mine, non? C'est... Non, le bar, c'est vers la mine. Donc, c'est juste à côté. On n'a pas le pouvoir, là. Je vais disparaître à tout jamais. Je vais regarder Daria avec mon goûter. Oh, trop bien, la chance. Me refaire des Daria, c'est la vraie vie. It's the real life. Eh bien, cœur sur toi, Big Flame Girls. Et bon, Daria, hein. Qu'est-ce qui t'amène, mon ange? Bogota a déjà levé le camp, il est parti retrouver John. Ne me dis pas que tu l'as pas vu. Quel crétin, il a encore dû se perdre. Va voir à la mine, qui sait. Il doit être en train de traîner par là-bas. Ok. Bon, au revoir, messieurs. J'ai pas mon pouvoir, hein. Je peux pas utiliser mon pouvoir. Oh, mais c'est la petite Samy, tu crois pas que John va passer par l'arme à gauche quand même? Bon, tu m'embêtes. Ah non, attends. On va payer un truc. On a des jetons. Ce filou cupide est aussi lâche que faible. Avoir réussi à le capturer dans ce big boss, c'est un du miracle. Bah, c'est très bien. On en a 5, enfin, on va utiliser tout. Il est si mignon qu'il se fait harceler. Ah, mais c'est chenipan. Par les autres monstres. Je devrais peut-être aller me promener. L'inspiration me manque pour créer davantage de monstres. Capable de mâcher des pierres, une drôle de bande de vieux à cocoster aujourd'hui. Ils prétendent être des pirates, mais ils me plaisent bien. Ils me racontent toutes sortes d'histoires sur le monde extérieur. Bah, très bien, on continue. C'est One Piece. Le tout premier Pixball. La toute première Pixball. Ce prototype de jouet pour enfants a connu une telle popularité qu'il a été intégré au jeu. Ça, ça ressemblait au méchant de Doom. Oh, on l'a eu deux fois. Grave à l'onche, là. Stratège du roi démon et chef des quatre généraux. Les quatre généraux détiennent des cristaux d'énergie essentiels pour sauver la princesse. Bah, très bien. Et voilà, on a tout fini. Donc là, on pourrait jouer, j'imagine. 1904... Ah, c'est le manuel. Ah, mais j'ai joué. Attendez. Moi, je veux juste regarder le manuel. Suivant. Il était une fois au confirmant. Ça, c'était histoire. L'union fait la force. La victoire fait aussi la force. Mais on va pas jouer au jeu dans le jeu, là, pour l'instant. S'il vous plaît. Quittez. Par contre, on pourrait rentrer. Et vu qu'on pouvait acheter des trucs la dernière fois... Daniel, comment va John? Sam, tout est de ma faute. Si ces trois-là te causent des ennuis, c'est uniquement à cause de moi. Non, c'est faux. Allez, on part. Donc ça, c'est extension de sac à dos, mais on en a déjà. Si je reprends, ça change quelque chose. J'en ai 4, c'est ça? De toute façon, j'ai... J'ai déjà ma pompote, là, c'est bien. Bon, j'ai agrandi mon sac à dos, pour l'instant, c'est... On sait jamais... Et c'est pas là, hein. J'ai pas d'armes. Autre que mon attaque, on va voir ce qu'on peut faire avec. Quoi? Vous êtes allé dans les terres interdites? Et Jon a été blessé? T'en fais pas pour le maire, je suis remué comme une tombe. Oh, mais on sait qui, il faut pas parler. Faut pas parler avec le moustachu, là. On sauvegarde ici.
C'est quand même beau comme jeu. Il y a même un grain sur le blanc, c'est beau. Un grain papier un peu. Bon là du coup on refait la même chose, hein, j'imagine que ce qu'on a fait. Mais attends, on devait pas aller à la mine? Il faut trouver le gel pourgeon au bar de Bogota. Mais du coup, Bogota, on m'a dit qu'il était à la mine, c'est ça? Bon. Il était en bas la dernière fois. On va voir ce qui se passe. Il était pas ici, genre. Ouais. Bogota, Bogota. Bon, il est pas là. Mais... Oh, cette faculté des jeux. Il était peut-être à côté, il était là. Ah. Il était là? Je sais plus où il était. Je ne sais. Si, il était ici. Il était là. Donc il n'est pas ici, Bogota. Où est Bogota? Oh, je me rappelle plus. C'était quoi la discussion qu'on a eue la dernière fois? On peut pas casser ça. Non. Il y avait des champis de l'autre côté, il me semble aussi. Il y avait dans une mine, il y avait des champis. Ou c'était sous l'école, je sais plus. Les champignons m'aident hein, en tant que Sam. Bon, apparemment, il n'est pas en haut. Peut-être qu'il est en bas. Non. Il n'est pas là non plus. Ok. Il n'a pas l'air d'être trop dans la mine en fait. Il n'est pas là. Est-ce que je peux prendre des bombes? Parce que j'ai pas essayé de prendre des bombes. Je peux? Non. Les bombes sont uniquement pour... Zonjon. Bah du coup, par où qu'on va? Ah, il y a une porte fermée quand même. Ah oui, c'était la porte pour les... Ok, c'est moi. Bah on va en haut, hein. Jon, il est là-haut, là. Pas Jon. Comment il s'appelle? Mais là, si je repasse par ici, ça me sert à rien. Oui, mais c'est pas bon. Enfin, je les tue pas, quoi. Je me débarrasse pas de ça, donc je peux pas. Ok. Là, il y avait rien. On a déjà tout dépouillé. Le monde est vide. C'est pas par ici, hein. J'imagine que beaucoup de ça était. Bah, il est peut-être sous l'école, hein. Il est où, Bogota? Quoi? Vous êtes allé dans les termes? Non, mais... Bon, il est peut-être dans la porte 2, parce que j'ai fait la 3 et la 1, mais pas la 2. On va voir. Non. Ah. C'est la bucket. C'est la bucket. Il y a eu un petit laps de temps, là. Ok. Bah, il a pas l'air d'être là, hein. J'ai du mal, je me suis perdu, je crois. Attendez. Mais si, c'est là. Ils me disent d'aller par là. Et après, ils me disent d'aller par où? Bon, ils me disent d'aller là. Bon, voilà, hein. Écoute. Et là, ils me disent plus rien. Mais écoute, on va aller dans la mine, hein, jusqu'au bout. C'est-à-dire sortir. Ah bah il est là, Bogota. Ok. Ça alors, si c'est pas la petite de John, j'allais justement venir vous retrouver, mais on dirait bien que je me suis un peu perdu en chemin. Quoi donc? Du gel, bien sûr, voilà. Je soupçonne Bogota de faire des allers-retours. Ah oui, au fait, en aucune circonstance ne prononce les mots terre interdite devant le maire.
on a le gel déjà. Y a pas trop de musique là. Hein. Bon, un jour on y arrivera. Jon, j'ai trouvé le gel. Parfait. Avec ça, on fait tout ce qu'on pouvait. Est-ce que Jon s'en va s'en sortir? Ça dépendra de lui. Jon. Jon. Jon, tu es réveillé, hein? Viens voir ce que j'ai découvert. Allez, Jon, dépêche-toi. Il a déjà ouvert toutes les... tout le soleil, là? Ah, du coup, on rejoue Jon. Jon, t'es fatigué, je crois. Ça va, petit chat? C'est bientôt l'heure. Ah. Ah, c'est intéressant. Mystère et boule de gomme. C'est que le début du jeu, c'est ça? Le prologue. Donc là, on est au chapitre 1, j'imagine. Jon. Il faut que tu te remettes, Jon. Quand tu seras guéri, on pourra aller à l'école ensemble. Et puis jouer à Earthbound. Et après, Jon, on ira à la surface, rien que tous les deux. Montez la garde, compris? Jon! Ça perd les popettes, si ce n'est pas là, c'est très long personne. Ne t'inquiète pas, mon trésor. Je suis ici pour Jon. C'est tout. Oui, petit chat. D'ici quelques minutes, on va s'arrêter, t'inquiète pas. Tu n'as pas l'air si mal. Et moi qui croyais que tu étais gravement blessé.
Oui, j'ai bien entendu. Tu sais, j'ai toujours apprécié, Jon. Non, je te jure, tu es, comment dire, une vraie bête de travail. Mais tu n'as pas pu t'empêcher d'y aller, hein. Ça mène à la surface, vous savez. Bigre. Tu as la langue bien pendue, toi, hein. Est-ce que tu te rends compte, petite, de ce que ça fait à ma réputation, ça? Tu as abîmé la réputation du maire. Et quand on abîme sa réputation, le maire se met très en colère. Alors, comment peut-on rectifier ça? On n'a rien fait de mal. Et même que Jon, il a éliminé tous les monstres qui se trouvaient là-bas. Ah, vraiment? C'est impressionnant, Jon, très impressionnant. Tu sais, ça me rappelle quelque chose, en fait. Oui, je connais l'endroit parfait où vous nous envoyez. Garde! Oui, chef. T'inquiète pas, Nina. Dans quelques minutes, je m'occupe de toi. Oui, t'inquiète pas. Allez, avance. Petit chat. Viens. Toi aussi. Ça va, petit chat. Ça va. On va te donner à manger, t'inquiète pas. C'est l'heure, je sais. Ça va, Albator? Non, une pipe, monsieur le maire. Si seulement vous avez pu vous entendre, c'était de l'art. C'est moi qui vous le dis. Tu as abîmé la réputation du maire. Et quand on abîme sa réputation, le maire se met très en colère. Le grand maire Hoffman, l'expert en secouage de puce. J'arriverai pas à être à moitié aussi flippant, même au mieux de ma forme. Ce pauvre John a dû se faire dessus. Ça suffit. Il est bientôt l'heure de les bannir. On dirait un peu le bureau dans... comment ça s'appelle? Disco Elysium. Va t'occuper des préparatifs. À vos ordres! Je vous laisse tranquille. Attends. Il vous fallait autre chose? J'aimerais répéter un peu. Mais, petit chat. Non, non. Aïe, aïe, aïe! Tu m'as explosé la cuisse! Oh. Aïe, aïe, aïe. Nina, tu m'as fait archi mal. Tu m'as griffé. Tu m'as griffé. Alors, du coup, il y a un chat qui vient d'essayer de monter sur moi. Et du coup, qui m'a griffé toute la cuisse. Pardon pour les oreilles. En plus, c'est un petit chat qui s'est griffé l'œil. Et du coup, on a dû mettre une autre collerette. Donc, vous avez peut-être entendu la collerette en passant. Voilà. Parce que sinon, elle continue à se griffer l'œil. Un petit chat. Et vous allez voir, regardez. Regardez-moi la collerette. Ah, vous la voyez pas? Bah, tant mieux, hein, je veux dire. Ah. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, là, vous avez dû la voir. Je fais des demi-tours sur moi là. Répétez, oui, répétez. Ah, m'a explosé la cuisse et le mollet, ça fait archi mal. Aïe! Oh, je vous en prie, pitié, pardonnez-moi, monsieur le maire. Abandonnez tout espoir de jamais revenir. Car je viens vous emporter vers le monde de la surface. Tout ce qui vous attend désormais, ce sont les ténèbres, le feu et l'enfer et le froid du néant. Vos pas ne font plus nos terres bienheureuses. Non, vous parcourez jamais. Désormais, des contrées empoisonnées et sous l'emprise maléfique d'un incessant, d'un intarissable miasme. Comme dans Métro 2033. Comment était-ce? C'est pour ça qu'il était blessé. C'était épatant. Bon sang, j'en ai encore les genoux qui jouent des castagnettes. Tant mieux. C'est vrai qu'un peu d'entraînement peut avoir hein, du bon de temps en temps. On va s'arrêter là. Hein. Au moment où je sauvegarde, on s'arrête là. Allez. Alors, comment qu'on peut faire? Examiner. Bas les pattes. Et j'espère. Touche pas à mon bébé. Hein? Vous êtes qui, vous? Tu ne devineras jamais. C'est moi, Jasper, le roi de la... Ok, je peux...
En chair et en os. Ça t'étonne? Le roi de la Seine, ok. Non, non, ne me dis pas que. Les gens m'ont déjà oublié. Mais sinon, vous avez appelé ça votre bébé? Ça ne ressemble pas vraiment à un bébé. Des yeux perçants comme des projecteurs qui illuminent la crime dans l'obscurité. Des yeux laser, du sang frais, trace éclatante de la bataille qui venait de se jouer. Nul autre que Earthborn, le pisteur nocturne. Earthborn? Ça aussi, ça vient d'Earthborn, je crois pas. C'est trop génial. Tu aimes Earthborn, toi aussi? C'est mon jeu préféré. Plus haut, je vois rien. Je peux pas aller plus haut. Tu pèses une tonne, bon sang. Répète un peu ça. Hein? Carota? C'est la voix de Carota. Aïe. Sam! Carota, elle est à l'intérieur. Me dites pas qu'ils vous ont attrapé vous aussi. Sam est là-dedans? Aïe, c'est ma tête, ça. Désolé. Dépêche-toi. Sam, Mirette a dit qu'il voulait te donner quelque chose. C'est une pièce porte-bonheur. Elle appartenait à mon père. Elle pourrait peut-être te servir. Comment est-ce que je peux te la passer? Zut, le capitaine Tigre arrive. Filez. Espèce d'idiot. Je vais le faire. Ah oui. Les yeux perçants. Elle a bien lancé. Ah. Sister Nocturne. Jon. Regarde, Jon, il y a un trou. On a eu obtenu une pièce porte-bonheur. Ouah. Il y a marqué j'ai dents. Jon, regarde, regarde. Attendez-moi. On est où, j'espère? Ici? Je ne saurais pas te dire non plus. Mais tous les soirs, j'entendais des bruits très étranges sortir d'ici comme des sifflements. Ils devenaient si forts que je devais m'en protéger avec mon pisteur nocturne. Ça fait combien de temps qu'il y a... Trop chelou. Viens, Jon, allons voir. On ne sait jamais, ça mène peut-être à l'extérieur. Et voilà, on va s'arrêter là. Ah mais on peut faire la bouffe. On va se regarder d'abord. Et on va s'arrêter ici. Je pense que, bon, il n'y a personne trop sur le stream, mais c'est pas grave. Je vais vous faire le big up du lien. Et on va aller voir Joline. En tout cas, merci à beaucoup de personnes qui sont passées dans le stream. C'était cool. Il n'y a pas trop de son, mais voilà. Apparemment, il y a moins de musique que je pensais dans le jeu. Que dire de plus? Je vais raid Joline. Qui est en talk show. En talk show et podcast. Hop. Comme ça, c'est prêt. Voilà. Eh bien, à plus tard. See you. Ah mince, c'était pas ça. Et je vous envoie les liens aussi, parce que ça peut servir des fois. Je vous envoie les liens. Tic, 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 tic. Appuyez pour lancer le raid. Bah, très bien, je vais appuyer pour lancer le raid. Hop. C'est où que c'est déjà les commandes? Voilà, hop, les liens. Je crois que j'ai mis. Oui, c'est bon. Et du coup, SO pour Big Flame Girl et Anartube qui était dans le coin. Et on va voir Joline. See you.